Mon cher Greg, nous sommes sous le regard colérique, coléreux de Loubou. Et oui, la figure emblématique de Dynasty Warriors, parce que Dynasty Warriors est en colère. Dynasty Warriors en a marre, Dynasty Warriors 9, c'était pas terrible. Eh bien, on a décidé de remettre le travail sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le travail, je ne sais plus. En tout cas, Dynasty Warriors Origin, on a pu y jouer pour la première fois au monde au Tokyo Game Show 2024 pour Tsumimasen Turbo. Et tu en es ressorti avec quelles impressions? Alors déjà, ça se passe en Chine. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Shin Sangoku Musso. Oh. Elle est nulle, elle est nulle. Oh là là, bon, en tout cas, voilà, ça s'appelle Shin Sangoku Musso parce qu'il y a une vraie volonté de renouveler la saga. La saga. Ouais. C'est vraiment... on le rappelle Shin Sangoku Musso. Origins. On enlève le numéro. Ouais. Voilà. C'est le reboot. Et on, alors, je vous rassure, hein, il s'agit toujours de moissonner, de massacrer on des centaines et des centaines. On a vu des reboots plus audacieux, on va voilà. dire, dans la formule. Mais hein. Voilà, graphiquement, il y a une refonte totale. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus beau. Oui, ah bah heureusement. Beaucoup plus beau et beaucoup plus lisible. Oui. Alors que, paradoxalement, il y a moins de couleurs. Ouais. C'est plus réaliste. Alors, fini les plumes sur la tête, les barbes de 3 mètres de long et tout. Il y a une volonté de graphisme, on va dire, plus sage. Oui. Voilà, ce serait pas le reboot un peu dark de... Ce serait pas la darksolisation justement voilà. de Dynasty Warriors. Il y a une roulade. C'est vrai, il y a une roulade. Il y a des esquives parfaites. Voilà. Et surtout, voilà, il y a la roulade, tu l'as dit, il y a l'esquive parfaite, il y a la parade parfaite. Oui. Voilà. Donc il y a une vraie darksolisation ou alors on est à la maison, une Nioisation. On va dire que le niveau de difficulté de base était quand même un peu plus élevé oui. que d'habitude, c'est-à-dire que les ennemis nous frappaient, ouais. ce qui est déjà pas du tout. Alors les ennemis nous frappent et surtout. Les PNJ se font avoiner. Oui, c'est-à-dire oui, que oui, là, le problème qu'on avait avec les derniers Dynasty Warriors, c'est que soit tu jouais en normal et tu roulais sur le jeu, soit tu jouais en difficulté extrême et en fait, les ennemis étaient toujours aussi bêtes, c'est juste qu'ils avaient 1 million de points de vie ils te descendaient ta barre en 2 coups. Donc c'était un espèce d'évit dumb up où il fallait taper, te planquer. Et là, on a vraiment un sens de la bataille qui est beaucoup plus présent, c'est-à-dire que vos actions sont clairement décisives par rapport, ouais. déterminantes par rapport au déroulement de la bataille. Donc on avait une bataille à faire. Alors c'est comme d'habitude, hein, à l'ancienne, c'est en plusieurs petits spots. Il y a une grande map séparée en plusieurs petits postes. Et il faut prendre les postes d'assaut un par un. Mais toi, tu pars à droite, tu as tes potes qui partent à gauche, mais ça se passe mal pour tes potes. Donc quand on te dit reviens aider tes potes, faut revenir tout de suite. Ah oui, là parce désormais ils se font massacrer en 3 minutes. Là, quand tu dis Origins, t'as vraiment l'impression de revenir aux origines de Dynasty Warriors 2 ou 3 où vraiment le placement ah, des copains des était vraiment idiot. Était déterminant. Non, justement, il fallait vraiment être là sur place à tous les coins de rue pour essayer de régler la situation. Moi, j'étais en train de partir à droite. Un éclaireur dit attention, il y a un guet-apens à gauche. Que fait mon copain? Il va à gauche. Donc je suis obligé de retourner lui sauver la peau des fesses. Bon, évidemment, je gagne. Mais après, je retourne. Moi, j'avais une tactique. Le méchant était là. Moi, je voulais faire tout le tour pour prendre toutes les bases ennemies et avoir les bonus. Sauf que pendant que je faisais ça, tous mes potes se faisaient massacrer ici parce qu'il y a des ennemis qui sont arrivés par derrière. Et alors là, donc, j'ai perdu la bataille. Heureuse surprise, on peut reprendre en cours de bataille et on peut reprendre à différents moments de la bataille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez réussi à conquérir un spot ennemi, ça fait un checkpoint. Et quand vous mourrez, la bataille est perdue, vous pouvez revenir à différents moments, il y a des instants dans la bataille, et ça donne au tout un côté plus tactique, et j'ai trouvé plus vivant. Le plus sentiment immédiat. D'urgence, il est à nouveau là, ce qui paraissait nécessaire hein, pour Dynasty Warriors, qui était un petit peu trop plan-plan, qui dormait un petit peu, se reposait un petit peu sur ses acquis. J'ai vu aussi qu'on avait emprunté quelques mécaniques de Sen Goku Musso. Où on peut justement et donc on peut par exemple on a des troupes particulières, on peut leur ordonner de faire des choses. Moi j'avais des archers, oui. Je pouvais leur dire vas-y tire un peu par là, fais le ménage et hop une pluie de flèches s'abattait. Des archers à cooldown, voilà. Des charges de cavalerie, des encerclements, donc différentes manœuvres tactiques qui viennent s'ajouter un petit peu au panel. Moi je craignais qu'on incarne uniquement le personnage original qu'on va pouvoir façonner au début de l'aventure. En fait non, de temps à autre tu peux quand même faire appel oui, quand tu as une certaine jauge qui te permet jauge. Alors moi j'ai pu jouer Guan Yu, ouais, le héros avec la grande barbe. Ça m'étonne pas. Et la jeune fille avec les cerceaux dont j'oublie toujours le nom. Mais en tout cas voilà, et évidemment tu as intérêt aussi à être à côté des héros légendaires parce que tu vas pouvoir déclencher des hyper attaques, ouais. Voilà. Et alors, évidemment il y a les super attaques habituelles. Il y a les super attaques qui se font sur des contres, c'est-à-dire que quand tu bats des boss,
Si tu fais une parade parfaite, tu pourras l'achever. Ouais. C'est-à-dire, si tu fais une parade parfaite alors qu'il n'a plus qu'un tiers de sa vie, tu pourras la descendre d'un seul coup dans un... Ouais, il y a un petit côté... une chorégraphie absolument fabuleuse. Il y a un côté Sekiro, mais il y a un côté réduire les points de bravoure un petit peu à la Wolong, finalement. Réduire les points de bravoure pour amenuiser la défense de l'ennemi et mieux l'achever. Oui, c'est-à-dire qu'on parlait de Nioisation ou Dark Soulisation du jeu. Quand vous battez un boss, il a des petits boucliers au-dessus de sa tête et vous pouvez briser ces boucliers en utilisant différentes actions. Et une fois qu'il n'a plus de bouclier, vous pouvez l'achever d'un coup excessivement esthétique. Alors on a déjà vu ça dans Zelda, dans Fire Emblem, dans d'autres épisodes comme ça de Dynasty Warriors. Mais là, comme le niveau de difficulté est rehaussé, t'as vraiment intérêt à épuiser les boucliers. Je sais pas si tu as eu droit au petit duel spécial, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé entouré de tous les soldats de mon camp et du camp adverse, dans une espèce d'arène comme ça, vraiment la baston de rue, face à l'autre général, et c'était un peu en mode duel. Donc on parlait de Dark Souls, mais tu devais vraiment tourner autour de ton adversaire et faire en sorte que la jauge de morale balance davantage dans ton camp pour l'emporter dans ce duel, qui va avoir une incidence ensuite sur le reste de la bataille. Des duels 1v1, on en a déjà eu, notamment sur les Dynasty Warriors PSP, je crois. Mais là, c'était faute de mémoire. Là, c'est vraiment juste pour le sens de la mise en scène, gameplay, pour le spectacle. Et ça rend le jeu encore plus Moi, je l'ai trouvé extrêmement complet. D'ailleurs, il y a encore des mécaniques que je n'ai pas compris. Oui. Les différents choix que tu as en appuyant sur L1 ou R1, ça ouvre un menu dans lequel tu as des différentes super attaques. Donc, tu as la parade parfaite, la roulade parfaite, l'esquive parfaite, qui t'ouvre une arborescence d'actions à exécuter. Avec tes propres points de bois. Voilà. Et alors moi j'ai trouvé ça extrêmement riche. Très encourageant. Oui. Je suis chaud comme la zebrée. C'est comme ça qu'on dit. C'est Dynasty Warriors Origins, ça va sortir le 17 janvier, donc ce sera très très tôt en début d'année. On espère qu'il n'y aura pas de retard. On va manger chaud. On sera là pour Dynasty Warriors, comme toujours. Eh oui. Et voilà, on est là depuis 15 ans. Oui, on n'a pas attendu Sumimasen Turbo, mais merci en tout cas d'être fidèle à notre nouvelle chaîne Sumimasen Turbo pour découvrir depuis Tokyo toutes ces previews et tous ces jeux qui vont faire notre année 2025.